Je suis content en pile. Jeudi, vini dans la localité Doudouche, 3e section, Haute-Guinaudée, commune Jérémie, pour participer dans la cérémonie lancement année l'école 2023-2024. C'est un gros jour, un grand moment pour venir nous. Pour montrer nous l'importance de l'école tout partout dans le pays et l'importance de l'éducation qui est une plus grosse priorité du gouvernement république. Moi, content tout matin dans la grandeur. Côté un pile gros écrivain marqué l'histoire pays. Mais tout, en pile des ministres de l'Éducation nationale, tant qu'on Honoré Ferry, Élie Dubois, avec Joseph Sébernard. Jeudi 11 septembre, c'est le premier jour ministère de l'Éducation nationale fixé rentrer l'école dans tout le pays. C'est un jour spécial dans la vie tout élève, tout parent, côté tout le monde, t'as dû prendre l'école pour construire l'avenir grâce à l'éducation, à la connaissance. Nous admettons que à cause de situation dans quelques zones, il y a un pile petit peuple là qui pourront aller à l'école semaine ça. À la semaine prochaine. Mais le gouvernement prend engagement pour tout le monde à l'école. Nous venons. Jean nous a constaté sur le réseau, tout le monde a une stratégie, comment nous avons mobilisé tout le monde, tout haïtien conséquent à la Oumbadé, qui toujours nous à Wanamet, dans le département nord-est, dans le pays d'Haïti au niveau international, côté nous-mêmes, au niveau plateforme Jean du Nord-Est, nous avons une côté solidarité. Et nous avons un message très clair, nous voulons voir le président Abinader. Nous avons gagné Rivière Massacre, qui prend naissance en République Dominicaine, qui a environ
et 1558 km², côté que nous gagnons 355 qui fait partie République dominicaine dans rivière là et nous gagnons n'est pas 453 environ qui joignent en Haïti, c'est-à-dire 41% rivière joignent en République dominicaine, 59% rivière joignent en Haïti et nous gagnons bassin versant, nous gagnons rivière déjà dedans qui renforcer rivière massacre. Tout le monde connaît très bien que la République dominicaine déjà prend 11 prises sous rivière. Côté que vous utilisez pour faire arrosage, pour faire manger, pour vendre le pays d'Haïti. Et nous-mêmes, c'est pour la première fois que nous arrivons à prendre une prise, bien que nous gagnions les paysans qui ont déjà commencé l'initiative qui a été sortie. Vers eux-mêmes depuis en 2014. Et le président Jovenel, il a son bel travail qui a fait, il est venu. En appui à eux-mêmes, travail la tête campée. Nous connaissons tout gros bruit, ça te fait. Mais paysans, les nous considérer, depuis 10 ans, c'est l'autre bon à acheter manger. Mais nous avons bon terre, pays d'Haïti, t'es pas nous pas fini ensemble avec produits chimiques. Côté que nous-mêmes, nous capables de faire bon manger, mais ce problème arrosage là nous gagnons. Et nous gardons tout le temps, il y a fait là. En République dominicaine, côté que tout journal est branché. Et on fait qu'on est Haïti dévié rivière massacre là. C'est une mauvaise information. Ce n'est pas dévié. C'est une prise nous prend sur rivière massacre là que nous avons droit. La République dominicaine fait comme si que c'est eux-mêmes qui ont créé rivière massacre là. Ça, c'est une ressource naturelle. C'est une rivière transnationale. C'est une rivière transfrontalière qui gagne pour traiter selon loi internationale. Droit international qui gagne pour traiter ça. Et nous, ouais, c'est un mal. Nous recommandons, ils ont même son mauvais voisin. Travail ça, son travail pour nous capables solidaires là-dedans. Parce que sans Saint-Domingue maltraiter nous, je le voulais. Si pendant nous pas qu'à faire rien, ils écrasent nous pas de patates, nous pas de manger pour nous manger. Je dis à la, nous voulons pour nous gagner l'autre Haïti. Chaque fois, c'est Dominique qui va nous manger, il pile nous, il maltraite Haïti, il veut retourner Jean Nouvelé. Je dis à la, nous venons dans un camp solide dans notre travail ça, pour nous lever, on a met, pour nous lever Haïti à l'autre niveau. Parce que je dis à nous-mêmes, nous pouvons nous voulons, nous pouvons nous nouer. Ça, c'est travail Jovenel. C'est petit Jovenel qui campe là. Moun qui pas peur, moun qui pas acheter figue, moun qui pas arrêter à blanc. Moun ça, tout le temps de Pagnol. Abinadel te campe, il te dit nous toutes ces fatras. Et bien, je dis à nous-mêmes, nous dit, notre travail pour nous mettre, notre entraînement pour nous mettre, pour nous faire, pour nous mettre dans l'autre direction. C'est par rumeur, effectivement, le ministre de l'Environnement a écrit comme directeur général pour demander de retirer l'agent sur ce site-là. Eh bien, je n'ai pas choisi d'écrire pour me faire la réponse, même si je n'ai pas réponse sur le canal là pour me dire l'agent de Sapio a pris sur place. Pour nous continuer à accompagner le peuple Wanamet. Pour nous continuer à défendre le territoire. Pour nous continuer à défendre la dignité comme peuple. Je suis venu aussi pour me dire à peuple dominicain que Haïti, le peuple haïtien, le peuple Wanamet, pas de rien avec eux. Haïtien seulement à défendre le droit. Nous seulement défendons le droit, nous. Pour ne pas quitter l'ambition politique du président Abinader, qui sont candidats qui ont renouvelé l'élection, qui choisit le canal là comme choix de bataille pour que lui mène conflit ça à la frontière.
Ça a tourné une bonne habitude pour moi, pour m'informer nous, pour m'informer les Haïtiens, le moins sorti à l'étranger. Ce n'est pas tourisme d'en faire. Ni dormi, au contraire, moi t'as mal dormi. C'est intérêt, peuple haïtien, que je t'as défendre tout côté me passé à tout le monde que je t'ai rencontré. Déplacement ça, t'es important en pile. Dans le grand rendez-vous ça, tout le monde tendait, le monde entier comprend que le peuple haïtien n'a un carrefour difficile. Nous ne pas le plaindre. Nous ne pas raconter misère nous. Mais nous t'a expliquer mon yo dans qui situation nous est. Dans ce cadre spécifique, le CONATEL, en tant qu'agence spécialisée dans le domaine des télécommunications, doit être l'interlocuteur incontournable en regard du rôle avant-gardiste qu'il est appelé à jouer dans ce secteur ô combien dynamique. Et les conséquences ne se feront pas attendre. Notre pays bénéficiera des retombées des technologies numériques dans de nombreux domaines. Il est indispensable que le CONATEL veille à la mise en place d'un environnement légal et réglementaire qui permette à tous les acteurs du secteur d'évoluer dans un cadre compétitif et concurrentiel équitable, et ce, au bénéfice des usagers. J'en profite pour vous dire, Monsieur le Directeur Général, qu'il n'est plus que temps de mettre vos experts au travail pour moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur. Après 50 ans, et en tenant compte des progrès qui ont révolutionné le secteur, nous devons adapter nos lois pour répondre aux nouveaux défis de l'heure.